Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons vous présenter notre série de micro-trottoirs basée sur l'insertion professionnelle. Bonjour madame. Oui, bonjour. Et c'est quoi votre nom? Madame Bette. Adija. Ok, écoutez, Mohamed Ndiaye. Mohamed Ndiaye, ok, bonjour. Merci. Connaissez-vous Tagat? Non, j'ai jamais entendu parler de Tagat. Non, j'ai jamais entendu parler. Tagat, oui, j'en ai entendu parler une fois à travers une copine. Ah, d'accord. Okay. Maintenant, quel rôle pensez-vous qu'une entreprise d'insertion professionnelle joue au Sénégal? Elles ont un rôle important à jouer au Sénégal parce que l'emploi des jeunes est... C'est un sujet d'actualité parce que les jeunes... Et que les entreprises qui sont dans l'insertion professionnelle sont plutôt dans la formation professionnelle. Ils ne sont pas en train de chercher justement à insérer les jeunes dans une entreprise, mais ils sont plutôt en train de former les jeunes pour qu'ils puissent être opérationnels au niveau des entreprises. On constate qu'avec l'ADER, la Frangip, le PUDC, de plus en plus, les jeunes trouvent facilement une insertion professionnelle. C'est une très bonne idée parce que les jeunes aujourd'hui ont du mal à trouver un bon emploi. Déjà, on les utilise dans les entreprises et on demande des expériences d'un an à deux ans, à trois ans, à cinq ans, voire même six ans. C'est très dur de trouver un emploi, raison pour laquelle je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée en tout cas. D'accord, merci madame. Merci à vous, au revoir. Ok, c'est dans cette optique que notre entreprise Tagat met en rapport des jeunes talents aux entreprises.